Salut les amis, j'espère que vous allez bien. T'as kiffé cette intro ou pas? Plus sérieusement, nouvelle vidéo sur les anneaux, hein, on change pas une équipe qui gagne. Concernant la dernière vidéo, vous m'avez demandé des vidéos descriptives de chacune des figures que j'ai pu exécuter. Donc aujourd'hui, on part sur la première figure qui est l'équerre, le L. Donc un point super important déjà avant de commencer, le réglage au niveau de tes sangles. Donc plus tu vas avoir de longueur de sangle, plus ça va être compliqué, moins tu vas en avoir, plus ça va être simple, plus tu vas être stable. Donc ça, c'est déjà un point crucial. Ensuite, avant de commencer à faire l'équerre, on va tout simplement faire un appui. Okay, donc on va venir sauter à l'appui ici et maîtriser cet appui. Je suis là, je saute et ensuite je me grandis et je resserre les anneaux le plus proche de mon corps. On regarde bien devant soi et on essaye de s'auto-grandir au maximum. Donc cette position elle est super importante. Donc dans un premier temps, si tu ne maîtrises pas encore cette position, je t'invite à la travailler plusieurs fois quand tu fais tes séances au niveau des anneaux. Une fois que ça s'est maîtrisé, on ne va pas commencer par monter les jambes tendues, mais on va commencer tranquillement et on va placer les jambes groupées. Donc je suis ici, je monte là-haut, je suis en appui et ensuite on va venir monter les genoux. On va maintenir cette position, toujours en respectant la position de l'appui, c'est-à-dire bien serré au niveau de ses anneaux. Et ensuite, je maintiens. Donc ça, c'est le premier step avant même de commencer l'équerre. Je pense que certains d'entre vous ont des petits traders au niveau des ischio-jambiers. Parce que quand on vient à l'équerre, forcément, il nous faut un petit peu de souplesse. Et cette souplesse, ça va être important de la travailler pour justement être à l'aise en position de l'équerre. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre nos anneaux le plus proche du sol. Moi je les mets comme ça et ensuite on va venir se positionner comme si on était à l'équerre, sauf que là on va travailler notre souplesse. Donc on a les anneaux qui sont devant et on va venir donc inspirer et sur l'expiration on va pousser les anneaux devant pour travailler notre fermeture, parce que c'est réellement cette fermeture qui va être importante quand on va se mettre à la position de l'équerre. Ok, donc j'inspire ici et je souffle. Donc ça, vous me le faites une dizaine de fois. Je suis là. Voilà, parfait. Et arrivé à la dixième, on va maintenir la position en étant fermé le plus possible. Allez, on est ici et on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Donc voilà, ça, ça va être un bon exercice pour solliciter donc nos ischio-jambiers, c'est-à-dire de bien les étirer et pouvoir progresser en souplesse. Et une fois qu'on est comme ça, je peux vous dire que lorsque vous êtes à 90 degrés, la position de l'équerre, ça pose plus du tout de problème en termes de souplesse. Je me suis un petit peu éloigné des anneaux, juste pour vous montrer aussi que si c'est trop compliqué pour vous de commencer avec l'équerre aux anneaux, bien évidemment, il va falloir le maintenir au sol. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de le faire au sol avec la stabilité qu'on peut avoir au niveau de l'appui au sol, ça va être très compliqué de le faire aux anneaux étant donné que les anneaux sont mobiles. Donc du coup, je suis ici. Donc je vais mettre mes mains donc juste à côté des hanches et on va venir maintenir notre équerre ici. Ok, donc ça vous pouvez faire des petites répétitions à chaque fois où on va maintenir 5 secondes. Donc je suis là, on maintient 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche, ok. On le refait une deuxième fois, on le refait une troisième fois jusqu'à temps qu'on commence à être à l'aise. C'est un travail super important, hein. Comprenez que si vous êtes stable ici, ce sera beaucoup plus facile après de pouvoir être stable aux anneaux. Donc si jamais vous êtes trop bas, vous sentez qu'avec les appuis, c'est un petit peu compliqué de lever, il y a une autre solution, c'est d'avoir des porte-mains ou des petites parallélettes comme on les appelle dans le jargon du street workout. Donc alors, je prends la caméra carrément, hein, vous allez venir avec moi, ce sera plus simple et puis je vais vous montrer. Donc là voilà, moi j'ai des porte-mains ici là, comme ceci. Donc en fait ça va nous augmenter au niveau de la hauteur et ça va être beaucoup plus facile de faire un équerre là-dessus. Ok, donc là j'ai mes porte-mains, donc je les mets ici et puis en fait ce qui est quand même bien avec ces porte-mains là, c'est qu'on a aussi quelque chose dans les mains. C'est pas comme quand on est au sol où on a les mains à plat. Là ça ressemble un tout petit peu plus au niveau des anneaux parce qu'on a cette prise qui est serrée. Ok, donc on est un tout petit peu plus haut, donc forcément ce sera un tout petit peu plus facile qu'au sol et ensuite on va se lever et faire notre équerre. Ok. Donc, je sais pas si vous me voyez bien ici, je vais mettre un petit peu de profil pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc je suis là et je viens faire mon équerre ici. Okay. Et je dégage la poitrine et j'essaie de me redresser
au maximum. J'essaie de bien tendre mes coudes à chaque fois, hein. Vous voyez que là on travaille énormément en triceps, et le fait aussi de monter les jambes donc en équerre, nos abdos sont vraiment beaucoup engagés. Si jamais ça vous intéresse, j'essaie de rechercher un petit peu ce qui se fait de mieux sur les parallélettes ou les porte-mains, et puis je vous mettrai un petit lien en description, comme ça si vous voulez en acheter, au moins vous en aurez chez vous. Voilà. Et puis on va finir avec une petite série étant donné qu'on est sur les barres parallèles. Regardez ce qu'on peut faire, par exemple, je suis ici. Là j'ai remonté à l'équilibre. Toc, je redescends. Là, j'en remonte. Tac. Ce genre de petite figure que j'aime bien faire quand je suis là-dessus. Allez, on est parti. Et puis du coup, on retourne sur nos anneaux. De retour sur les anneaux, et pour être encore plus progressif dans notre travail, je vais vous montrer trois variantes qu'on peut faire avant même de monter à l'équerre. Donc la première, on se positionne en appui et on va venir monter une jambe après l'autre. Ici, et je redescends. Là, et je redescends. Ici, et là. Ok ? Donc ça, c'est la première variante. Deuxième variante, on va faire similairement la même chose, sauf qu'on va venir d'abord en position groupée. Donc là, on va bien engager au niveau de nos abdos. On va faire l'équerre jambe groupée. Et ensuite, on va venir tendre la jambe. Donc je suis ici, je remonte, je viens là-haut, je tends. Je tends. Et ici, je tends. Là. Ok ? Donc là, on a notre position en plus d'équerre qui est groupée. Et ensuite, on vient tendre à chaque fois notre jambe. Et la dernière variante, un tout petit peu plus complexe encore, on va venir faire monter groupé et ensuite on va venir tendre les deux jambes. Donc ici, j'ai à l'appui, je monte groupé, je tends, je fléchis et je retends ici. Je monte à l'écart groupé, tendu, groupé et je redescends en position d'appui. Donc là, on a nos trois variantes. Et une fois que ça, vous avez fait un bon travail à ce niveau-là, que ça fait allez, déjà plusieurs semaines que vous travaillez correctement tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, là on va pouvoir venir faire notre équerre. Donc je viens à l'appui, ici, et je maintiens la position. Et on essaye de rester. On reste, on reste, on reste, on reste. Et je vous assure que plus on reste, plus c'est compliqué. Et puis il y a même les quadris là qui commencent à piquer un petit peu. Mais je lâche rien. Allez. Combien de temps vous pensez que je vais tenir comme ça? 10 secondes. C'était le petit challenge de fin là. Et dire qu'avant quand j'étais plus jeune on devait faire 1 minute d'équerre là sur les anneaux, je peux vous dire qu'à la fin on était cuit. Donc pour récapituler, hein, pour faire un petit bilan de tout ce que je vous ai appris aujourd'hui, donc déjà dans un premier temps, maintenir la position à l'appui correctement, se sentir à l'aise, c'est super important. Ensuite, le maintien avec la position groupée. N'oubliez pas aussi votre souplesse parce que ça va tirer au niveau des ischios jambiers et au niveau de la fermeture, c'est super important de travailler ça. Si vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec les anneaux, on fait notre travail au sol avec les mains à plat ou sinon avec des porte-mains pour être tout petit peu plus surélevé et en plus ça va simuler la prise au niveau des anneaux et ensuite après les variantes que je vous ai montrées au niveau de ces anneaux. Donc là je pense qu'on est assez complet sur le tuto de l'équerre. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et aussi à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, hein. J'ai vu qu'en fait il y avait beaucoup de personnes qui regardaient cette chaîne et qui n'étaient pas abonnées, donc s'il vous plaît les amis, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ce sera sûrement la figure numéro 2, et puis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.